L'ex-gagnante et candidate de la 7e saison de Secret Story est désormais influenceuse, mais aussi maman, dévoilant une photo d'elle alors encore enceinte. Après sa victoire à Secret Story en 2013, alors que l'émission était encore très suivie, Anaïs Kamizulis s'est petit à petit transformée en influenceuse. Au gré de ses participations à plusieurs autres émissions de télé-réalité, comme Les Anges de la télé-réalité, ou encore La Bataille des Couples, elle a remporté l'adhésion du public, toujours plus nombreux à la suivre sur les réseaux sociaux, ils sont plus de 1,8 million à être abonnés à son compte Instagram. La plus belle des princesses, ce message touchant d'Anaïs Kamizulis met pas de placement de produit pour la jeune femme aujourd'hui, puisqu'elle a décidé de faire plaisir à ses followers en dévoilant une ancienne photo d'elle, prise alors qu'elle était enceinte de la petite Cassie. On la voit avec un ventre rond, quelques jours à peine avant son accouchement, qui aura lieu le 25 juillet 2019. Trois ans après cet heureux événement, la maman se souvient, le temps passe vite, cœur, s'exclame-t-elle. Anaïs Kamizulis en profite pour dévoiler le nombre de kilos qu'elle avait pris durant sa grossesse, 32 kilos au compteur mais la plus belle des princesses dans mon ventre. Elle interroge ensuite ses abonnés, et vous les filles, combien de kilos pour vos grossesses? Depuis cette date, l'ancienne candidate de télé-réalité les a perdus, affichant fièrement sa silhouette fine. À l'époque, elle avait néanmoins eu du mal à assumer les kilos pris, alors les cernes, le teint gris, si estidu à la fatigue je pense, mais je n'arrive plus à me regarder dans un miroir, lançait-elle, avouant avoir supprimé une photo précédente, n'appréciant pas son physique. Les choses ont désormais bien changé. Une communication maîtrisée sur sa fille Cassie depuis la naissance de Cassie, Anaïs fait néanmoins très attention à ce qu'elle communique à son sujet sur les réseaux sociaux. Il faut dire que la jeune femme sort d'une période compliquée, après avoir été harcelée par une fan obsessionnelle, qui a depuis été condamnée à un an de prison ferme. La gagnante de Secret Story 7 avait aussi dévoilé avoir fait une fausse couche avant cet heureux événement, témoignant de cette épreuve difficile où les médecins lui avaient indiqué qu'elle était stérile à 90%. À lire aussi « J'ai peur de ce que tu vas devenir », Anaïs Kamizulis publie un message touchant pour l'anniversaire de sa fille Cassie. Yeah.